French. Press press. Serbian Television Toronto. First of all, congratulations on your qualifying to the finals. Whom of the two Serbian players would you like to meet in the final match, and why? That's not a big problem for me to play against Novak or Janko. No, I see maybe Janko has less experience than Novak, because Novak he won so many tournaments. Maybe it's easier to play against Janko, but for sure if he's winning against Novak, he will be very confident, so that's not a big problem. But for sure, if I have to play against Novak, he will be the favorite of the match. With Janko, we never know, it's not the same, but for sure they are very, very good players, both are playing very, very good. Richard, it's been 6 years since your last Master Series final, which of course was right here. Can you talk about how your game's changed from being a 20-year-old, basically just breaking through, to now at 26? Right, it's very tough to know. I think now there are more very, very good players. Like before, when I started, it was just, I remember Roger and Nadal was coming, but now there is four incredible with Rafa, Roger, Novak and Andy, so the top level is much better. I think that's the best tennis in the world now since a lot of times. Can you talk about the impact that Ricardo's had on your game this year? Sorry? Can you talk about the impact that your coach, that Ricardo's had? Yeah, it's nice for me to have two good players. I'm with Ricardo. So he has a lot of experience in Coach Ljubicic, and now on top tournaments I'm with Sébastien Grosjean, so he was number 4 in the world, so I have a lot of respect with him. So no, both are very good, and I'm very, very happy to come back in the final year in Toronto. Can you talk about the challenges of playing against such a tall player as Isner? Yeah, for sure, it's a typical player, it's very difficult, but the key of the match was to return well, and I did it. I try to return all the time to make him pay. Then I like to defend. But of course I had to do a big tie break. And I did it. I played a return unbelievable in the tie break. And then I started well. And I felt more confident winning 7-6. I think yesterday we both played in 2 matches, so it's tiring. But I felt more fresh after winning the first set. De la redondance, donc de quoi va avoir l'air le match si vous affrontez Tsitsarevic ou Djokovic? Ah, c'est une finale, c'est un grand tournoi, donc voilà, c'est toujours particulier de jouer une finale, mais bon, c'est deux grands joueurs, c'est sûr que Djokovic est favori, mais voilà, Tsitsarevic joue bien, il le connaît, donc tout est possible. En tout cas, ça va être une belle finale pour moi, voilà, j'avais apprécié ce moment-là, ça fait 6 ans que j'étais en finale ici, donc c'est quand même un grand tournoi, donc je suis très heureux d'y revenir. Et j'aimerais juste revenir peut-être en français avec l'explication de lorsque vous aviez 20 ans et maintenant 26 ans, à quel point le top 4 a changé les choses. Ouais, c'est vrai que les 4 premiers sont plus forts qu'à l'époque. Donc je pense que c'est le plus fort de top 4 de tous les temps. Voilà, donc je pense que le tennis aujourd'hui n'a jamais été aussi fort. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très difficile de gagner des tournois. Next question. Richard, qu'est-ce qui vous apporte Sébastien Grosjean et votre autre entraîneur? Qu'est-ce qui vous donne de plus que vous n'aviez pas avant? Ah, il a beaucoup d'expérience, voilà. Il est très intelligent, il sent très bien le jeu, donc voilà, c'est un ensemble de choses. C'est surtout son intelligence, il connaît très bien les joueurs, il connaît très bien le tennis, il a joué beaucoup de matchs, il a été très fort, donc simplement c'est profiter de son expérience, c'est toujours très intéressant. Quoi. Vous regardez souvent vers eux pendant le match, on était assis, nous, courtside, on vous voyait, il y a comme une communication. Ouais, c'est important, moi j'aime bien... Il me parle de temps en temps, voilà, il me donne des conseils, donc c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un comme lui qui me donne des conseils, c'est toujours bon à prendre. Vous avez l'air d'un joueur, je ne sais pas si je m'avance trop, vous avez l'air d'un joueur des fois peut-être un petit peu impatient. Vous maugréez un peu, vous serrez les dents et tout ça. Est-ce qu'il vous calme des fois? Est-ce que quand vous le regardez, il se passe quelque chose et ça se replace ou... Ouais, c'est important de le regarder, c'est sûr qu'il est intelligent, il sait parler,
connaît beaucoup de choses, donc voilà, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme lui sur qui tu vas t'appuyer, donc c'est toujours bien pour moi. Quels mots vous viennent à l'esprit quand vous pensez à la dernière semaine ou les deux dernières semaines pour vous? Ça a été quand même quelque chose. Ah, c'est clair, c'est incroyable. C'est sûr que si on m'avait dit que j'aurais une médaille là-bas en double et que je serais en finale ici, c'est sûr que c'est incroyable. Donc c'est sûr que c'est fabuleux pour moi de me retrouver là. C'est clair que ça ne pouvait pas mieux se passer. Donc, voilà, c'est deux très très belles surprises pour moi maintenant. Faire finale ici, c'est un grand tournoi, et faire une médaille olympique, c'était fabuleux. Donc c'est clair, j'ai eu deux super semaines. Est-ce que la médaille à Londres a eu quelque chose à voir un peu pour bah, certainement, je pense que je suis arrivé ici positif, je suis arrivé avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie, et en étant heureux d'avoir fait cette médaille, donc c'est sûr que ça m'a fait du bien, c'est indéniable que ça m'a donné confiance pour ce tournoi, ça c'est sûr. Juste revenir sur le match avec Isner, de par sa taille et son service, il est assez intimidant. À quel point ça a joué dans votre tête tout le monde? Comment on fait en fait pour affronter un géant de la sorte? Ben, c'est clair, c'est difficile. Quoi. C'est difficile de jouer un joueur comme lui, mais j'ai vraiment très bien retourné. J'ai essayé de retourner tout le temps, de bloquer ses services. C'est vrai que ça tombe de haut, donc c'est difficile, mais j'ai essayé de tout bloquer. Il y a une défense derrière, donc là j'ai vraiment fait un match très intelligent, j'ai vraiment bien joué. La prochaine.